Redonner à ceux qui souffrent d'affections oculaires en général, et plus particulièrement à ceux qui souffrent de la cataracte, une lueur d'espoir, c'est le principal objectif poursuivi à travers une campagne de dépistage, de suivi et d'opération de la cataracte initiée par l'OSAT, entendez, Hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré, du 17 au 20 novembre 2021 à Niki, financé par l'organisation de bienfaisance au Bénin OBB basée à Malanville. Cette campagne contre la cataracte est destinée à toute personne sans distinction aucune. Nous avons commencé une activité qui est le dépistage des affections oculaires chez les personnes de tous âges, enfants comme adultes. Et nous sommes là également pour opérer tous ceux qui souffrent de la cataracte. Toute activité de chirurgie qui sera menée est gratuite, de même que la prescription des médicaments. Mais pour toutes les autres affections de la cataracte, les malades sont tenus de payer le coût de la consultation et le coût de la prise en charge médicale. Pour le conseil communal de Niki qui a sollicité cette intervention de l'OBB, cette action vient à point nommé. Au sein de la population de Niki, il y a assez qui sont malades de cette cataracte, mais qui n'avaient pas suffisamment de moyens pour se faire soigner. Et voilà une ONG qui vient faire cette opération gratuitement. Nous pensons que c'est une grande joie qui nous anime. C'est une opportunité. Et il faut dire que ce n'est pas seulement les populations de Niki. C'est y compris certaines populations de communes environnantes. Je veux citer Perere, Kalale. Les gens ont quitté de là-bas pour venir. Même Ndali, Bembreke et autres, les gens ont quitté là-bas pour venir ici. Conscient du bonheur qu'apporte cette campagne de dépistage aux populations bénéficiaires, élus communaux et hommes de santé se confondent en remerciements. Nous disons merci au nom de toutes ces populations qui sont venues chercher un soulagement par rapport à leurs problèmes d'yeux. Grand merci donc à l'ONG de bienfaisance béninoise OBB, qui a choisi l'hôpital de Niki pour apporter les soins humanitaires. Et je voudrais donc féliciter aussi l'OSAT, qui est l'hôpital ophtalmologique de Saint-André de Tinré, qui a accepté de venir apporter son expertise à l'hôpital de zone de Niki. Je voudrais prier le Tout-Puissant qu'il accorde la santé et qui leur donne la clairvoyance nécessaire et les moyens aussi pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, non seulement pour les problèmes de Dieu, mais pour d'autres problèmes aussi que les populations rencontrent en matière de santé ou autres. En attendant la prise en compte de ces doléances, jouir pleinement de leur faculté visuelle est une opportunité que population de Niki et environ n'ont pas voulu se faire compter.